Yo les gars, on se retrouve pour un nouveau Coliseum aujourd'hui. Donc un petit collier en roublard parce que ça fait longtemps. Attendez, je crois que je suis en qualité inférieure. Ouais, voilà, on passe en qualité haute, c'est quand même plus joli. Voilà, je vais aussi rajouter les animations de sort pendant que j'y pense parce que sinon vous allez gueuler. Voilà, on est bon. Donc le petit colis du jour, donc j'avais envie de jouer Roublard en face, c'est pas très opti, mais j'ai l'impression que nous non plus. Oh, notre élu est pas mal, hein, il est à 40% partout et tout ça. Et notre crâne n'a pas des res si pourri que ça, par contre il a que 3600 HP, mais il est que niveau 195. Moi j'ai pas beaucoup de res parce que j'ai préféré mettre en fait. Tac, on va rémission tout de suite. Ceci, hop. Tac, et le coup d'arc pour buter le chaton. J'avais envie de jouer art contemporain. Du coup, je me suis dit, les gars, on s'en bat les couilles. Donc, vous pouvez voir que ça monte jusqu'à 600 quand même. J'ai max sur l'hélio qui est à 40%. Donc, ça peut faire des petites choses intéressantes. Je suis à 50, 60% de coup critique. Petit art contemporain. Donc, attendez, je sais pas du tout si j'ai un bon jet par contre. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Putain, comment je ferme ça? Allô? Comment je ferme cette merde là? What? Ok, magnifique. Comment j'enlève ça? Putain, mais comment j'enlève ça? Oui, Cube, t'es chiant là. Cube, c'est mon chat, les gars. Il est en train de me faire chier. Putain, mais sérieux, je peux pas le mettre, je sais pas, à un endroit discret. Bon bah, restez avec ça, les gars. Hein, tant pis. Peut-être que si je rouvre un truc de l'arc, ça va se barrer. Sérieux. Bon. Ah, le coup d'arc il passe à combien? Ouh, jusqu'à 1000 sur la bombe. Donc là, un petit hop à 15%. Ça peut vite se faire enculer. Qu'est-ce que je fous là d'ailleurs? Ah ouais, mais là c'est pas bon, putain. Ah, mais je suis en train de me faire focus en fait. Je viens de voir ça. Pourquoi moi? Putain, pourquoi toujours moi? C'est pas possible ce jeu. Et ouais, mais là je vois plus le. Putain, bon les gars, je vais jouer mon tour et je vais mettre une ellipse. Je vais sûrement crever en plus, ça va être génial. Oh là là, je sens qu'on va se faire rouler dessus. Ça va être impossible. Impossible! Waouh! Qu'est-ce qu'il tape fort lui? Je pense que je vais pousser l'hélio et je vais me barrer parce que sinon je vais crever comme une merde. Si l'écart reste ici, je peux éventuellement le mettre dans un petit mur, le mettre là. À portée de mes alliés, ça peut être intéressant. Ça va, les cas me tapent pas, c'est pas plus mal du coup. Les cas, est-ce que je le ramène dans un mur avec un blabot? Ça peut être intéressant. Putain, mais ça me saoule ça! Putain de jeu de merde buggé là! Ah, là, je peux plus le ramener. Ouais, j'ai pas grand chose à faire du coup. Ah, je peux ramener le cra en fait. C'est pas mal en fait, en vrai, de ramener le cra. Étant donné que. Non! Cube, casse-toi. Et ouais, je vais faire ça. Tac. On ramène le cra là-dedans. Je vais pas faire péter, ça ne sert à rien. Est-ce que je peux faire un truc? Je peux peut-être rapprocher notre cra, mais je suis pas sûr que ça soit réellement utile. Je vais le rapprocher un tout petit peu de 1. J'ai envie. Ah ok, j'ai pas eu le temps. Attendez les gars, je mets juste une petite ellipse, le temps de reco, parce que ça me saoule. Ok, c'est bon, j'ai pas pris trop cher, j'étais à 3500, je suis à 3100. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ah, est-ce qu'il va laisser les portails ouverts? Ouais, il laisse les portails ouverts, c'est pas mal, hein. Je pourrais enculer le cra à travers le portail, là, je peux lui mettre des gros tromblons. Ça peut être vraiment intéressant. Je pense que c'est pas mal de le laisser ouvert, parce que ils peuvent pas trop s'en servir. Ah putain, il me vient dessus, fait chier. S'il vient là, en plus, il va me faire chier de ouf. Il a de mastacle, ouais, il va venir là, c'est sûr. Ouais, je prends cher. Oh non, ça va. 500? Ouais, quand même, hein, j'ai pris cher. Bah, cela dit, là, le yop, c'est tellement mal placé que je pourrais le faire péter avec les bombes. Est-ce que c'est pas à la limite plus rentable que de taper le cra? Putain, mais il tape que dalle, lui! C'est une merde! Oh là là, putain, il tape du 140, le mec! Il y a 20% res. Putain, sois moins puant, s'il te plaît, là. Alors, soit je fais un move suicide. Suicide parce que je pense que vraiment ça va me tuer à moitié. Si je fais ce move là. En essayant de buter l'Iop, il meurt pas mais il meurt quasiment. Encore je sais même pas si j'ai tous les PA.
Soit je défonce le cra et je me casse avec une roublardise. Je pense que c'est plus rentable. Loin du yop. Je pense que c'est quand même plus rentable. Le cra là, je peux lui mettre deux reskis dans les portails. On est d'accord, hein, les reskis. Ouais, je peux lui mettre deux reskis dans les portails. Ça peut être intéressant quand même, hein. Est-ce qu'il y a une chance d'EK qui va être placée sur cet EK? Non, il continue sur ce cra. Il continue de me taper moi. Non, ça change rien, on s'en fout. Putain, il crit en plus le bâtard. Alors, on va faire ça x2 déjà. Tac, hop. Et on se casse à l'autre bout du monde. Alors, le cra va vous sauter à la ralentissante. Bah non, moi j'ai joué. Leur cra est presque mort. Je pense pas qu'il puisse survivre. Derrière, il faut que je survive moi. C'est compliqué parce qu'on a quand même un cra et. Ouh, ça va faire mal. Là, il va faire une punitive dans le portail. Il va prendre cher l'hélio. Cela dit, autant qu'il le fasse sur l'hélio. Ah, oh, il aurait pu faire sur dans le portail. Il a pas vu. Tant mieux. Cela dit, ça veut dire que moi je me. Ah, il y a que 3 PA là. Ah non, c'est un bug à fille. Putain, il l'aurait défoncé, hein. Voilà, l'hélio peut le tuer facilement, le cra. Il pose un portail à... Ouais, oui, il repose un portail là. C'est bon. Là, on a le cra qui meurt. Notre hélio va survivre. Il a des bonnes raises. Et moi, je suis assez safe en vrai, là. Hein, au final. Enfin, j'ai l'impression. Est-ce qu'un EK et un Yop qui sont aussi loin peuvent me faire du 2400? Il y a moyen, quand même, parce que le Yop, il est boosté, non? Non, il est pas trop boosté. Ouais, il a quand même 40 dos. Si je survis, par contre, je fais un film de cul à quelqu'un. Donc, j'espère vraiment que je vais réussir à survivre à ce tour. Oh, nice. Déjà, il vient de gaspiller 2 PA. Je pense que je survis en vrai. Hein. Ça, si les K, il tape vraiment très fort en melee OR. Ah, bah, il y a peut-être moyen que je meure du coup. Oh, il va sur l'hélio. Bon, bah, du coup, je survis largement. Et l'hélio ne mourra jamais. Hein. Putain, ils sont nuls en face. C'est quoi les serveurs? Alors, slash voice black. Tiré ar shir. Qui est de Brumaer. Nous avons Daft-Erol, qui est de Lily. Et Rook Ep, qui est de Rickerel. Waouh. Nous avons Stina World. Maintenant, les mecs de notre team, vous allez voir, ça va être de Joel et tout. Silhouette! Ah bah voilà! C'est pour ça qu'il est fort, il est de Silhouette. En vrai, il est un peu nul, lui. Mais... Opium, qui est de Silhouette. Ah bah ok, on a une team Silhouette, nous. Voilà, c'est pour ça qu'on gagne. Tous de Silhouette, on baisse des maires. Alors. Est-ce que j'ai un move intéressant à faire? J'ai pas mon blabot. Le chauffeur vient de bien m'emmerder. Cela dit, on peut faire un truc sympa, je pense. À base de ça. Ça, comme ça. Voilà. Ça. Et puis on fait péter. Hein? Allô? Voilà, ça dégage. On tape un peu l'hélio, mais on s'en bat les couilles parce que l'EK est mort. Et voilà, ça dégage. Hein, on dépoussière un petit peu. On fait un peu de ménage. Suis vraiment un bâtard. Pas du tout broken. Ah bah ouais, non, les roublards c'est cheaté, hein, évidemment. Hein. Ah les roublards c'est vraiment abusé comme classe. Gamin ce Helio. Non mais c'est ce que. Non mais moi je comprends que le mec il rage parce que les roublards c'est vrai que c'est une classe assez forte. Très sous-estimée évidemment, mais pourtant elle est. Elle est vraiment, enfin très surestimée, hein, je trouve. Enfin même pas, enfin, ouais, enfin, ouais, non, les roubles c'est trop fort, hein, faut nerf les roublards. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi c'est vrai que je trouve qu'il y a un certain degré d'abus, enfin s'abuser quoi les roubles. Hein. C'est complètement pété. Hein. Tu pas ma bombe frère, putain. Ah oui, laisse-le là, c'est bien. Bon, ça c'est du bon cra, voyez Silhouette, le travail d'équipe. Le bon travail d'équipe Silhouette, tiens. Alors, je voulais faire un move poudre, ça va peut-être être compliqué. Bon, on va jouer normal, on s'en fout. De toute façon, il est mort. Hop, je voulais faire un joli move poudre, mais bon. Bon, voilà, ça s'est fait un petit peu enculer tout ça, hein, quand même. Il y a eu une certaine forme d'enculade. Est-ce qu'on en refait un? Allez, est-ce qu'on en refait pas un petit là? On est chaud, non? Regardez, on a mis une victoire, c'est tellement rare pour être signalé qu'on va peut-être en refaire un. Allez, vas-y. Oh putain, Opium m'invite à son groupe Coliseum. Ah bah frère, j'ai déjà trouvé un combat.
Eh ouais, c'est ça, Silhouette, hein. Silhouette, c'est des vrais, les gars. Titu Goulta, n'oubliez pas, j'étais le Titu Roub. Et en plus, j'étais un bon Titu Roub, hein. J'ai fait des gros moves au Goulta. Vous étiez pas prêts, hein, les gars. Vous avez vu le moment où j'ai les détonateurs la mauvaise bombe? J'étais vraiment trop chaud. On est avec un Xel, un Yop contre Krafeka, Steamer. Je préfère quand même leur compo. Je la trouve plus forte que la nôtre. Après, on a quand même un Xel, donc c'est sympa, les Xel. Alors, est-ce que j'ai un trophée esquive sur moi? Oui, j'ai un trophée esquive. Qu'est-ce qu'on enlève par contre? On va peut-être enlever le turquoise pour le coup. On va rejouer Rapière pour avoir un peu plus de res. On va essayer d'être un peu plus sérieux pour le coup. On n'a pas besoin spécialement de l'arc. Il m'a déjà été assez inutile au combat d'avant. Donc bon. On a un Xelor. On va supposer qu'il est pas trop mauvais. Qu'il va pouvoir nous ramener quelqu'un. Déjà, il nous fait des jeux de mots dégueulasses. On va regarder son serveur. Ah, une silhouette! Ah, les gars! Par contre, le Yop, il a niqué la game là. J'ai voulu me. Je sais pas, j'ai voulu voir son pseudo. Il a bougé à ce moment et du coup, je me suis retrouvé de son côté donc je vais encore me faire focus. Il est silhouette aussi, les gars! Alors, qu'est-ce qu'il y a? On est tout le temps avec des mecs de silhouette, qu'est-ce qui se passe? Brumaire. Ah, cool, ils vont taper sur le Yop. Pour une fois, je me fais pas focus. Ok, donc Brumaire. Ekat. Et. J'aime pas les Fekka, ça me saoule. En plus, c'est juste après le Xel. Et Goulta. Bon, nous, on est encore une team silhouette, les gars. Les team silhouettes vaincront. Team silhouette for the win. On peut partir sur une enculette de Kra, hein, quand même. Hein. Il a que 22% haut. En face, c'est quoi? 30% pour le steam avec des faiblesses crit. 29% pour le Fekka. Les res hauts sont vraiment très basses. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que moi dans la team. Il y a aussi un Yop. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Fekka! Mais qu'est-ce qu'il fait le mec? D'accord. Ah, cette fois, je suis pas sûr que je voulais être avec la team de Silhouette. Ouais, ils ont pas trop de res-feu non plus. Ouais, les res-feu sont vachement basses. Donc, si notre Yop tape un petit peu feu, qu'il est pas full terre, c'est pas mal. Je lag trop, je l'aurais ramené tour 1, le Kra. Ouais, vas-y, c'est ça. Fais-toi de la gueule du monde. Putain, il va se faire violer! Il va se faire violer direct. Oh putain. Xel qui lag, la putain change de classe frère. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je peux pas aller mettre du tromblon dans la gueule de sa maman direct? Ah, c'est vrai que j'ai l'abyssal que j'ai obtenu récemment. Bon, évidemment, pour vous, c'est totalement en retard. Pas grave, je tiens large avec mes raises. Moi, je vais aller focus de merde là, bré! Allez hop, on rush. Oui, rush, hein. Le Xel il est en plein milieu, il va se faire rouler dessus sans aucune forme de respect. Il a quoi comme res? Ouais, t'as deux éléments qui sont pas mal, mais bon, calme-toi. Moi je suis un Roub, à l'époque j'étais du genre à bien aimer avoir masse res sur Roub, et puis maintenant je m'en bats les couilles. Ah, moi il a une ligne de vue sur l'autre. Ah non, il a pas la PO en fait. Putain de chat, mais t'es chiant là, c'est bon, je t'ai fait assez de câlins là, putain, t'es pas un chien. Arrête! T'es pas un chien, putain! C'est pas possible ça! C'est les chiens qui demandent des câlins tout le temps là! Regarde-moi ça là! Tu lui grattes le cul, il le lève comme une pute là! Putain, c'est incroyable ça! Une vraie chienne! Allô? Ça sert à rien de rush, on n'a pas de soins ni de protection, laissez-moi vous en ramener un pendant que vous êtes full boost! Ouais, mais le problème c'est que t'as l'air un peu nul frère! Bon après, si tu vois, il est fort! Hein. Il est silhouette les gars! Silhouette c'est fort! Hein. On rush comme des malades, on n'a aucune forme de réponse, on s'en bat les couilles! Hero et Rod, puisque c'est utile de double héros! Putain, c'est moi qui vais me faire focus, ça fait chier. Oh, je vais encore me faire focus. Eh, je vous jure, hein, je me fais encore focus, je me casse avec une roublardise à l'autre bout de la map, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il fait du retrait PM au corps à corps. Waouh. Bon, ça va, leur Kra, il a l'air un peu nul. Mais le problème, c'est que même si le Kra est nul, Steamer, c'est quand même vachement fort comme classe. Surtout avec les boucliers, je trouve, c'est vraiment fort. Putain, cube! Bon, au début, tu voulais des câlins, maintenant, tu veux me niquer les pieds. Putain, si tu veux m'assassiner, essaie d'être un peu plus discret, connard. Alors, bon, il peut nous ramener le steamer, là, le Kra, là, ou je sais pas, quelqu'un. Le problème, c'est que là, le Xelor, il va. Le Fekka, il va foutre son rempart et ça va être la mort, là, on va plus pour rien taper sur personne. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Wouah! Vous avez vu ça, les gars? Ok, il les a placés pour le rempart en fait, il a trouvé ça pas mal. Le mec il les a vraiment placés pour le rempart quoi. Putain, c'est quoi ce Xel? Oh, les mecs ils peuvent nous focus nous. Ah, mais il est silhouette, il est fort, il est silhouette. Ah, c'est bon, il se fait focus lui finalement, c'est plus moi le focus.
Oh putain, il va se faire violer le mec. Je vais peut-être virer le steamer très loin. On va partir là-dessus, je pense. On va commencer à ramener les bombes. Hop. Barre mission la grosse. Et on va se mettre là pour bloquer un petit peu. Allez. Allez, Dofus! Fais-moi rêver. Voilà, allez, ça dégage. Il va devoir utiliser une aspiration et tout. Ça va lui prendre pas mal de PA, sachant qu'il en a que 9. Au moins, il fera très peu de dégâts ce tour-ci, et c'est le principal. Goki. Bah, comme tu veux. Le truc, c'est que là, on a un crack et bouclier Fekka rempart. Ça, c'est compliqué de choisir un focus là. Focus Fekka, c'est toujours de la merde. C'est soit Kras, soit Steam, je dirais, mais. Ah, on a rush parce que t'as rush tour 1 comme une merde, hein. Excuse-nous. Ta gueule, cube. C'est ça, fais-moi un câlin. Mec, tu lui rotes à la gueule, il se fait des câlins, voilà. Ça, c'est un bon chat. Oh, putain, oui. Sinon les gars, je suis en stage et en fait mon boulot c'est de prendre des classeurs, de vider les classeurs et de regarder s'ils sont encore en bon état. Il y en a 20 à faire, les classeurs ils font 300 pages. Ça me met 20 minutes pour faire un classeur. Je pense que ça va me saouler un peu. Je sais pas pourquoi. Ouah là là, regarde-moi ça. Je pense qu'on aurait dû focus le Steam là. J'ai conseillé le focus Kras, c'était pas la meilleure idée, je pense. Là, je pense que c'est mieux de rebondir un peu sur le Steam. Le problème, c'est que là, j'ai deux belles bombes, mais notre ami le Fekka va sûrement me foutre un petit gravi. Sinon, c'est pas marrant, hein. Évidemment. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Ce serait bien que le Xel me détacle et qu'il bloque le Fekka, mais le problème, c'est qu'il a, il a que dalle de vie, le mec. C'est un putain de putsch. Voilà, il s'est dit c'est bien de bloquer mon pote. Mais qu'est-ce qu'il fait, mec? Arrête de jouer avec le fil, cube. Lâche-moi ça. Je joue surtout pas avec le fil du casque. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, putain? Mais what? Oh là là. Vas-y, tape, tape, tape. Oh là là. Non mais sérieux quoi. Le mec il est trop optimiste, genre tu pues la merde frère. Arrête. Genre arrête, hein. Te fais pas de mal. Putain! Il va niquer mon move là. Fais chier. Fais qu'à de merde, mais quelle classe cancer en colis c'est. Putain, ça devrait être interdit en colis 1v1 ça. Bon déjà on va foutre une bombe là pour sauver notre pote parce que. Ah merde! Le mec, attendez, je reviens, ça sonne chez moi.
Oh! Re! C'est bon. Ok. Ok. On est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un gravier, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. J'adore les FK, hein, c'est évidemment une classe. Une classe géniale. Pourquoi il s'est mis de ce côté? Ah, pour la gardienne. Quel talent, putain. Les beaux joueurs. Apparemment, le coup de cac est mieux. Ouais, un peu. Il est où, Liop? Il s'y fout là-haut. Le mec, il est là-haut au calme, on sait pas pourquoi, tu sais. Bon, c'est au cas où on survit, MDR. T'es là, je vois pas. Yo. Putain, attendez, je réponds. On m'appelle. Allô? Ouais, c'est bon, je suis relà. Alors, attendez, on a notre chop qui joue là. Il est en train de faire un bon tour. Il est pédiop et tout. Ah, je suis mort, hein, sinon je viens de voir ça. C'était catastrophique le deuxième combat, hein. J'étais absolument pas concentré du tout sur ma game. Je suis désolé à mes alliés. Bon, franchement, le mur que j'ai mis sur l'Excel, ça change pas trop le combat, mais ouais, c'était un peu dégueulasse. En fait, j'avais mis la bombe parce que je voulais le protéger de la ligne de vue du Cry et du Steamer, mais j'aurais dû le kaboom avant. J'ai pas fait gaffe. J'étais pas du tout concentré. Cube, le chat, tu vas fermer ta gueule parce que sinon je vais t'exploser, ok? Qu'est-ce que t'as, Cube, le chat? Oui, Cube. Je suis la star de la vidéo maintenant. Et les gens n'ont jamais vu de photo de toi, Cube. Parce que tout le monde s'en branle de toi. Donc, Cube est un chat. Il est tout noir. Il a le poil mi-long. Il a les yeux jaunes. Et ronds. Il a une très longue queue. Les femmes apprécient. Allez, casse-toi. Connard! C'est qui joue Bagetic? Oh, c'est le Steamer! Waouh! Ça va, ça fait du 600. C'est marrant, Bagetic. Bon, on se casse, les gars. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu la mort, le deuxième combat. Je suis désolé, mais bon, c'était marrant. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je dois aller de ce pas et avec évidemment joie, une joie incommensurable, tourner le let's play de Harry, Lego Harry Potter. Donc, vous imaginez même pas comment je suis content là. D'ailleurs, j'ai vu que le dernier épisode avait fait 14 vues. J'étais là en mode, what? Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a eu genre 8 abonnés d'un coup sur la chaîne. Je pense que c'est le let's play Lego Harry Potter. C'est normal, hein, il est très apprécié et tout ça. Bref, ciao les gars, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour demain, si vous vous demandez ce qu'il y aura, il y aura Enquête de l'Abyssal, je crois. Et let's play Lego Harry Potter, hein, pour votre plus grand bonheur. Allez, ciao les gars, à bientôt.